Je veux que tu saches. Non. Allez, on va paramétrer. Je vais dire à tout le monde de venir. Alright. Annonce. Allez. Everyone. Tant dire à Lily de pas trop faire de bruit. Salutations. Salut à tous. Alors, hey. Je vais. Ah merde. La vidéo est là. Je vais regarder sur OBS. C'est nickel. Ok. Ok. Alors, je regarde. C'est mon audio. C'est bon. Ouais. Normalement, c'est bon. Voilà. Hop. Cool. Ok. On a 3D Flamingo. Bon. Est-ce que vous avez fait une bonne game jam, les organisateurs? Ouais. Hein. Bien pour moi. Ouais. Ouais, bien aussi. Hein. Ouais. On a le minimum viable product. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Thierry? Vos jeux sont uploadés, ça y est, ça a marché sur le serveur. Oui, alors ça a l'air de refonctionner. Donc j'invite tout le monde à réessayer. Bon, évidemment, vous avez, Thierry, tu me confirmeras, mais vous aurez encore un petit peu de marge pour l'upload. La jam, en elle, elle est terminée, mais évidemment, comme vous avez pu comprendre, le succès de la globale étant, il y a eu quelques petits problèmes pour les uploads, mais bon. On peut se dire qu'on arrête de travailler à partir de 17h et tout le reste, c'est compléter le game project et uploader les sources. Parce que effectivement, c'est l'idée quand on fait la globale, c'est aussi d'uploader les projets. Et évidemment, ça prend un peu de temps, surtout quand on est à la réunion. Bah écoutez, on va commencer, on va faire la clôture. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. On n'a pas eu trop de retours de toutes les équipes. J'espère que ça s'est vraiment, vraiment bien passé dans l'ensemble. Bah comme l'ouverture, je vais laisser parler le RO et les SO. Il me semble que le SO d'Epitech ne sera pas là. Mais on pense beaucoup à Epitech. J'espère que aussi Epitech, vous avez fait des super jeux. Et avant de passer la main aux autres organisateurs, je tiens à vous dire, il faut absolument, absolument, absolument faire des streams de vos jeux, d'accord? Vu qu'on n'a pas, cette année, tout est en ligne, qu'on n'a pas deux moments pour présenter en présentiel, est-ce qu'on peut faire quelque chose de sympa? Ça serait que chacun de vous prenne un temps dans le channel de faire un petit streaming de son jeu et de présenter, ce qui nous permettrait à nous de suivre après la game jam et puis profiter de ce moment-là. Au final, moi, comme je fais à chaque année, je vais prendre aussi un petit temps, une après-midi, voire une journée, pour tester tous les jeux, toutes les submissions et donner mon avis sur chacune des submissions tranquillement. Voilà, je laisse la parole à Thierry, le responsable official, et puis après on fera le tour des organisateurs. Ça marche, le responsable officiel qui n'a rien fait cette année, si ce n'est jamais de mon côté. Hein, bon. Ce que je voudrais vous dire, c'est vous avez encore survécu à une globale, c'est beau, à une game jam. Et, alors, je ne sais pas, à mon avis, il y avait une quarantaine d'inscrits, mais je ne suis pas sûr que tout le monde est jammer. En tout cas, bravo à tous les jammers. Je reviens sur ce que tu disais, Logan, les délais pour uploader. Alors, ils le savent que leur site est merdique, donc on a le temps. De toute façon, officiellement, ce serait lorsque Hawaï, demain à 17h, termine, c'est-à-dire lundi, donc on aura au moins jusqu'à, pour nous, demain à 17h. En vérité, ça va être ouvert toute la semaine, hein, je pense. Donc, vous en faites pas pour les uploads. Et puis voilà, encore un bravo, et puis je me languis de tester à vos jeux maintenant. Je testerai des jeux, et puis je regarderai Logan, parce que c'est aussi un régal de le regarder. Et puis je laisse la place à Clovis.
Clovis, si tu veux dire un petit mot. Bonjour tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Moi, je le suis pas mal. Ce fut une game jam très récente. Nous, on était tout seuls ici. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas eu spécialement de retour de tous les organes, de tous les participants. Je ne sais pas du tout ce qui a été fait dans les équipes de joueurs. Je n'ai pas eu de retour. Je ne suis pas allé chercher non plus. Donc, ce sera la surprise. Pour nous aussi, on a fait un jeu de notre côté là, avec une équipe. Ce sera la surprise pour vous parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus. Voilà. Je vais faire cette game jam à la première en tant qu'organisateur parce que j'avais pas mes gens sous la main pour pouvoir réagir. Donc voilà. Je n'ai pas trop quoi dire en dehors de ça. J'espère que ça s'est super bien passé pour vous. Pour nous, en tout cas, c'était super, comme d'habitude. Et j'espère que vous allez réussir à uploader, parce que moi, je suis en train de le faire, là, et je galère. Voilà. Donc, bon courage à tous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Yes. Blenderman, est-ce que tu veux intervenir aussi? Ben, moi, je dirais juste un grand bravo à tout le monde, déjà, de base. Parce que c'était pas simple. Et là, plus le fait que tout est full online, etc., je pense que ça donne une dimension un peu différente à la globale. Et je pense que tout le monde s'est assez donné un petit peu sur la construction un petit peu des jeux, là. Donc, je pense que ça va être intéressant à voir globalement. On a hâte de tester vos jeux. On a vraiment, vraiment hâte de tester. Ouais, voilà, à chaque fois. C'est ça. Yes. Et puis ça sera le mot de la fin. Là, évidemment, une fois que la game jam est terminée, il faut absolument que chacun de vous puisse aller voir ce qui a été fait. Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du deal. Allez voir ce que les autres ont fait. Surtout, si vous faites partie du site de Lillois, allez voir ce que les gens de Lillois ont fait, mais évidemment, les gens d'Epitech ont fait. Et évidemment aussi les autres pays qui, à mon avis, ont été très productifs aussi. On va clore sur ça. Si personne d'autre a quelque chose à ajouter, c'est bon. Yes. Et on se retrouve. Encore bravo. Bravo à tous. On peut vous applaudir. Ouais. Bravo, bravo encore. Ce que vous avez fait est vraiment, vraiment exceptionnel. Ne l'oubliez pas, une game jam, c'est pas facile. C'est avant tout un combat contre soi-même pour repousser absolument nos propres limites. Et ça commence dès le début en amateur. Et je vous jure que ça continue en tant que professionnel. Pour vous dire, là, moi, j'étais sur deux sur deux projets de game jam. Il y en avait un en réalité augmentée et un autre avec les machine learning. Et je vous jure qu'en tout cas, moi, de mon côté, je me suis bien cassé les dents. Mais ça fait partie du jeu et il faut accepter ça, voilà. Donc, à très, très bientôt. On va tester, évidemment, vos jeux avec plaisir. On va faire des restreams. Continuez à rester sur ce Discord game jam. Continuez à faire vivre ce Discord. Et puis, on se retrouve en streaming. Salut à tous. Bye bye. À bientôt. Bye. Et bon stream. Salut à tous.